Salut les copains, le Père Printemps est passé. Alors l'inconvénient par rapport au Père Noël, c'est que c'est moi qui me suis fait un cadeau. L'avantage, c'est que je suis trop content d'avoir reçu ce colis qui provient de chez Drift Shop. Certes, ma voiture n'est pas une propulsion, n'est pas une voiture de drift, mais ce site propose aussi des pièces pour la Celica. Donc on va ouvrir ça et puis on va jeter un petit coup d'œil. Je vous fais la visite, la découverte avec moi. On va essayer de pas tout abîmer. Qui est pas mal déjà, c'est qu'au niveau de l'emballage, c'est vraiment bien ficelé tout ça. C'est effet propre, on peut pas dire le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Moi, je sais déjà en théorie. Vous pas encore. Alors, du papier bulle, en veux-tu, en voilà. Des petits prospectus de chez Drift Shop. La petite facture qui va bien. Un peu de pub sur les jantes Sparco qui doivent pas être données. Un petit fascicule sur les jantes OZ aussi. Au moins c'est bien protégé, ça on va pas dire le contraire. Alors que contient ce super colis? Ce super colis contient des plaquettes et des disques de frein. Alors on va jeter un petit coup d'œil aux plaquettes pour voir comment elles sont belles. Bon, l'avion là. Avec mes 10 doigts, j'arrive à ouvrir, voilà. La petite notice, les petits autocollants EBC Brake, ça c'est toujours sympa de pouvoir mettre un petit autocollant sous sa baie moteur pour faire sympa, petite déco. Alors, si on prend ne serait-ce qu'une seule plaquette, elle, on est sur de la belle plaquette là. Super boulette avec une espèce de petit film rouge. J'imagine que ça correspond au rodage des plaquettes. On va ranger ça. De toute façon, vous avez vu une plaquette, vous les avez toutes vues. C'est un peu la même chose. Donc, nous avons quatre plaquettes pour l'avant. Nous avons des plaquettes pour l'arrière. Bon, c'est la même chose, hein, je l'ouvre pas, vous vous douterez bien de ce que c'est. Celle-ci, c'est celle de l'arrière. Du coup. Ensuite, on a surtout, et ça c'est pareil, on va en avoir deux colis, donc je vais pas vous montrer les deux. On va se contenter d'un seul. Alors par contre, le seul truc que je regrette un petit peu avec Drift Shop, j'ai reçu un premier colis qui contenait les durites aviation que j'ai acheté pour la voiture. Les durites n'ont pas... en caoutchouc, mais des durites renforcées en fait, plus le liquide de frein. Il n'y avait pas de petit cadeau, alors je me suis dit bon, c'est un petit colis avec des petites choses, donc pourquoi pas. Mais là je m'aperçois un regret aussi qu'il n'y a pas de petit cadeau, mis à part des petits autocollants. Alors c'est bien, mais c'est un peu ledge quand même, je trouve. J'en connais d'autres qui sont un peu plus généreux. On passe une grosse commande. Par contre, voilà, vous voyez, c'est au niveau de l'emballage, c'est quand même bien foutu parce que c'est l'ensemble est bien protégé. Ça, on peut pas le nier. On va essayer d'ouvrir ça au plus propre. On a un magnifique disque de frein. Ça a de la gueule quand même. Tout noir comme ça là par rapport à mes disques d'origine qui sont tout rouillés, tout pas beaux. Ah ouais, c'est... Ça a de la gueule.
Franchement, ça a de la gueule. Ça va faire super sympa sur la voiture en plus. Et d'après ce que j'ai compris, donc, la partie noire, elle est traitée pour éviter la rouille au niveau du disque. Donc au moins comme ça, esthétiquement, ça restera toujours joli. Voilà, donc la marque c'est EBC. Ils ont plusieurs gammes de freins différents. Bon, en l'occurrence, j'ai pris du route. Voilà, je pourrais me permettre une utilisation légèrement sportive sur route, mais c'est pas non plus un système de freinage fait pour du circuit, même si avec ça, plus les durites aviation, plus le liquide de frein motule de bonne qualité que j'ai pris, je pense qu'avec tout ça, j'aurai vraiment un freinage au poil. Ça va être vraiment, vraiment bien, parce que là, bon, mes plaquettes sont encore bonnes, mais les disques fatiguent un petit peu, surtout à l'avant. Donc c'était l'occasion de les changer, et puis surtout les disques sont d'origine sur la bagnole qui a maintenant 103 000 km. Alors certes il reste encore un peu, mais ça commence à faire vieux quand même pour des disques, donc il serait grand temps que je change tout ça. Je vais pas faire ça aujourd'hui, voilà, c'était juste pour vous présenter mon petit colis qui est arrivé. Je suis tout content, comme un gamin, et puis il n'y aura plus qu'à à changer tout ça à l'occasion pour faire un truc vraiment nickel chrome. Voilà, voilà, et bien je vais ranger tout ça, et puis je vais reprendre mes activités qui étaient de nettoyer la Celica. Et ça, vous allez le voir dans une autre vidéo. Je vous dis à plus. Salut! Thank you.